This is so crazy. Bienvenue. Ça, c'est où j'ai commencé mon histoire de révolution. J'ai ouvert le 14 juillet 1986 pour faire un endroit dédié au monde de la bière. Ici, on ne buvait que du vin, on ne buvait pas de la bière. J'ai importé des bières par la Belgique, non? Mm-hmm. J'ai commencé à chercher des brasseurs au Belgique qui avaient envie de m'apprendre le métier. Ma première salle de brassage. Non. Je l'ai fait moi, hein, avec des cuves à lait, la cuve filtre. Cool. Ça, c'était la cuve d'empattage et ça, la cuve d'ébullition. Là, il n'y a pas le moteur installé, mais tout le cuivre, tout ça, c'est tout fait par moi. Super. Une des nuits sans dormir, non, je me suis réveillé avec une pensée. Non, je me disais, les bières que je suis en train de faire, c'est des bières qui ont des parfums. Non? Mm-hmm. Et jusqu'à ce moment, en Italie, toutes les bières qui existaient, elles n'étaient pas parfumées. Non? Donc, je me dis, peut-être que si je habille bien, non, ma bière, non, Et je l'amène au monde des passionnés de vin, non, dans le monde de la restauration, peut-être ils vont me comprendre. Non. Mon idée de révolution, d'amener la bière d'une façon gastronomique, non, d'une façon dans le monde de la restauration, c'était... Disons, c'est le grand travail que j'ai fait dans le monde de la bière, non? C'est la nouvelle brasserie. En 2016, on a ouvert exactement... le premier brassage ici dedans, je l'ai fait 30 ans après, le même jour que j'ai ouvert le baladin, le chapiteau de cirque. Non. 30 ans après, j'ai fait la première bière ici dedans. Ici, on est dans la brasserie. La brasserie est très moderne. Toutes les machines, tout ce qu'il y a à l'intérieur, a été fait par moi et trois ingénieurs. On a travaillé pour 9 mois sur le projet, non? Et après 1 an et demi pour la réalisation. Et c'est une brasserie assez visionnaire aussi au niveau technologique, non? Et il y a plein de trucs complètement très, très particuliers, non? Mais... ils vont dans la direction de ce que j'ai dans la tête, là. Et ici, il y a une petite brasserie qui est pour les étudiants, parce qu'on a aussi un cours universitaire à l'intérieur, non?
pour faire formation de brassicole. Non? Ici, c'est le laboratoire, on a toute la partie microbiologie, on a 3 biologues qui travaillent à l'intérieur, non? Et on a aussi un centre recherche sur les levures. Non? Il y a 2 universités qui travaillent à l'intérieur de cet établissement, non? Et on fait énormément de recherche et développement. Ici, on est dans la cave de fermentation. Quelle est la capacité que tu peux faire? 5 000. Il fait 5 000 et ça, c'est 5 000, 10 000, 20 000. OK. Le confectionnement, on confectionne tout en aseptique, non? Sous stérilité, capa stérile, non? Parce qu'on ne pasteurise rien, donc on doit faire très, très, très attention. Il y a beaucoup de technologies aussi ici. Ça, c'est un fût japonais, un cyprès japonais, non? Et là, on a, tu vois, la bière avec la flore, non? Qui est en train de... Il fait 2 ans là-dedans. Je te fais boire quelque chose d'extraordinaire. 10 ans de vieillissement. Moi. C'est une bière. C'est fort, alcool. 14,5, 15. 14. Ouais. Mais on ne sent pas. Pas l'alcool, hein. Non. Mais c'est ça. J'ai bu autre bière comme ça et on a the smell of alcool. Ah non, ça non. Attends, je te fais boire. Ça c'est la même bière, mais en fût de la Freud. Donc ça a une whisky, ouais, ça a des notes tourbées, non? Ah oui, oh oui. C'est toujours 10 ans. Ah, j'aime les whisky. Ouais. Ça c'est, si t'aimes bien, c'est incroyable. Oh. This is so crazy. J'ai jamais c'est bu une bière. C'est incroyable. Ça. Incroyable. c'est une bière, c'est un peu du cigare, on peut dire. C'est fou. Mm-hmm. C'est complètement fou. Ouais. Merci. C'est une belle émotion, non? Oui. Oh. Ça, c'est super beau. Hein? Ça, c'est toutes les langues, non? Et ça? Tu vois, là-bas, c'est un champ doublon à nous. Non, tu vois, là. Tout, ça marche ici Moi, je produis tout. Ah ouais? Tout. 250 hectares, tout. Houblon de Barolo. Ouais, houblon de Barolo. Exactement ça, houblon de Barolo.